Ok. compliqué. John, juste un truc, c'est normal aussi qu'on fasse reproche dans le sens où souvent tu attaques l'islam, mais c'est pour mettre en valeur ta religion en comparaison. Du coup, Mais oui, tu sais forcément, pourquoi? ceux qui Tu sais sont en pourquoi mode je fais la pauvre ça? état Il y a athée vont une dire, mais c'est de la merde en Mais fait, c'est mon quoi. travail. Non, non, Zioclo, en fait, regarde, par Façon de exemple, parler, hein, c'est. va parler avec tonton moustache, va parler avec. Bon, Aline, non, il a encore un petit peu de mal, mais. C'est qui tonton moustache? Attends, c'est qui? Avec des apostats. Justement, pas des apostats, mais des athées, tu vois, qui ont compris la Ouais. diff, tu vois. Et qui sont dans le même. Alors que lui, il n'est pas du tout catholique, tu vois. Mais il me dit, Ah oui, t'as effectivement, des t'as athées qui raison sur ce que tu dis. rejoignent. C'est pour faire comprendre que. T'as une logique politique et de l'autre côté, t'as une orthodoxie et de l'autre côté, t'as une orthopraxie, tu vois. Et qu'à partir de là, c'est pour ça qu'il y en a une qui est beaucoup plus compatible avec la laïcité et la République, tu vois, enfin, et la France, entre guillemets, que l'islam, tout simplement. C'est moi, mon travail, c'est là-dessus que je le fais, tu vois. C'est un prisme précis. Mais Je vais pas c'est me mettre dans le mais est-ce combat que des athées qui renient toutes les religions, donc c'est plus simple, ils mettent tout dans le même panier. Moi, mon boulot, c'est de dire non, non, elles sont pas toutes dans le même panier. Même si vous les combattez, combattez-les. Avec la méthodologie en fait que préconise une religion plus qu'une autre. C'est tout. Ah mais en fait, on combat la volonté de pouvoir des religions, tu vois, la volonté de faire reculer les droits, Ah ouais, etc. C'est lui, ça il qu'on game. combat. C'est pas la Ramène religion ton et le cul, John religieux. Le Duff. religieux, on s'en fiche. Tu vois, on va pas le toucher, le Allez. religieux. Tu vois, Tchétchène, il boude parce que voilà, on dit des bêtises et tout, mais en vrai, on touche pas aux religieux. Eux, on s'en Ryan. fiche. Ce qui nous gêne, nous, c'est les dogmes, ce qui les enferme finalement dans des pensées un petit peu absurdes. Regarde, lui, il joue aux jeux vidéo. Ouais. Dans son pays, pourrait-il jouer aux jeux vidéo? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ah merde, il s'est fait tuer, putain. Non, mais là, c'est le mode. Est-ce qu'il y a Internet en Tchétchénie Ah déjà? C'est la oui, vraie question. c'est avant, c'est Bien sûr, il y a Internet. l'entraînement. Tu crois que c'est le Maghreb ou Ah, ça quoi? y est, là il répond. Tu vois, quand on parle de ton pays, tu me réponds. Enfin, Tu crois dis que c'est bonjour quand l'Afrique ou même, quoi? Tchétchène, T'es c'est pas bizarre. possible. Bah, un petit peu quand même. Non, C'est t'es l'Afrique malade. des Blancs. Ouais, peut-être bien. Mais je dirais pas plus Ça, Maghreb, c'est bien. d'abord. Tu Je as dirais plus plus un Maghreb. quel bâton Bonjour, à chaque fois, le problème, s'est-il réparé de mon côté? Non, Non. pas Ai-je trop. encore Tu as un pas de écho? connexion, mais Tu as pas de connexion, mais c'est Il y a pas. plusieurs problèmes, bah, Non. déjà. Pas qu'un seul. Est-ce que j'ai J'ai un encore écho un de œuf? ouf. C'est pas pareil. Mais en vrai, J'ai un j'ai une écho de question, ouf. John Duff. Alors Attends, je me recommence une place parce première fois, parce qu'il y a que le là, truc. ça bug. Ouais. John Je te fais Duff, ça. en vrai, j'ai une question pour toi. Tiens, Imaginons on va que. parler de l'UE. Imaginons que t'as un Vas-y, pays musulman qui applique la charia, un pays dis-moi. chrétien, tu vois, Ouais. gouverné par, je sais, on va dire le Vatican, si tu veux, c'est pas un pays, mais enfin, je crois que c'est un pays, enfin, je suis pas sûr, hein. Il y a le C'est un Vatican, État, et c'est un État, c'est un État. voilà. Et à côté, t'as un autre pays, c'est un pays athée, hein, anti-religieux. Pour toi, c'est lequel le pire entre le pays musulman et le pays athée? Bah, de mon Sachant point de vue, qu'aucun des deux d'un veut point te de vue chrétien. conquérir, hein. D'un point Ouais. de vue chrétien. Bah, je préfère être dans un pays athée parce que j'aurais moins de crainte Non, de crever. je te dis, toi, t'as ton pays, tu restes dans ton pays. Ah, ok. Donc, de loin, comme ça. Ouais. Bah, ça dépend, en fait. Ça dépend. Parce que le problème, c'est que, en fait, bon, au niveau des mœurs, c'est-à-dire certaines mœurs traditionnelles, on va dire, sachant que même là, il y a la polygamie qui est là pour corrompre le tout, mais bon, imaginons, je sais Ah, pas, mais bon, t'as des d'être prophètes qui faisaient polygamie. anti-woke, on peut dire que, voilà, enfin, d'être contre toute forme comment on pourrait dire ça, d'idéologie qui irait à l'encontre, en fait, des principes traditionnels, oui, tu vois. Mais, c'est un extrémisme quand même, tu vois. C'est-à-dire que c'est compliqué de ménager la chèvre et le chou, en fait. Vraiment. Ouais. Parce que, comment dire, par contre, le fait de croire en Dieu, oui, tu vois. Le fait de. Je sais pas, en fait, il faut prendre loi par loi, point par point, et que je te dise Tu oui ou vois, non. si c'est l'athéisme, en vrai, dire ce qu'on veut, hein, ça a quand Le même un fait but de d'anéantir la considérer religion, que tu vois. l'acte homosexuel, tu vois, Ah, dans vous ma voulez vivre religion, en religion, c'est il considéré n'y a aucun comme. souci. Comme une abomination, tu vois, aux yeux de Dieu, tu vois. Ouais. Là-dessus, on est pareil, oui, tu vois. Par contre, sur le sort de l'homosexuel, de le pragmatiser, de le jeter d'une tour, non, tu vois. Je préfère les athées, tu vois, sur ça, parce qu'ils méritent pas la mort, parce que nous, on le juge pas, il y a que Dieu qui juge, tu vois. C'est pas à nous, les hommes, Ouais, mais d'appliquer la justice d'Allah, tu vois. c'est pas C'est pire ça, que le de problème, c'est que le vous devez c'est pas appliquer pire la que de justice dire que c'est d'Allah. quelque chose de bien. Mais en fait, ce qui fait, ouais, mais ça, c'est à Dieu de le faire, sauf, tu peux Oui. exhorter ton ami homo, ou voilà, ou un homo, tu lui dis, bah, non, Mais frère, enfin, en islam aussi, tu peux l'exhorter. Non, il crève, Ah tu vois. Enfin, si, c'est quand même, bon, oui, c'est chaud. la finalité, s'il se tape dans le trou, oui. Mais sinon. Je vois, je vois. Sinon, mais dans tous les cas, même dans un pays démocratique, athée, ils peuvent appliquer ces peines-là, hein, l'humanisme d'une certaine façon, hein, comme tu veux. Mais un pays athée, il peut appliquer la peine de mort. Est-ce que j'ai encore les. Ouais.
Bon, vas-y, on se coupe le micro, on t'écoute, vas-y. Mais tu bugs par contre, hein, donc là, c'est même pas une histoire du micro, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Bah, en fait, moi, la différence, c'est que les AT, ces lois ne sont pas inflexibles sur le temps, etc. Tu captes pas, ouais. Tu captes pas, ouais. Désolé, vas-y, mais tu captes mal. C'est bon, bah, ils sont. Vas-y, bah, teste. Vas-y. Ouvre ton mic. Je crois que c'est un échec. Ah, vous m'entendez? Oui, vas-y. Vous m'entendez? Fonce. Houston, vous m'entendez? Ouais, non, en fait, bon, je trouve ça. Bah oui, bah j'y vais là, je démarre. Allez, en fait, moi, ce que je pense, c'est que, tu vois, on a une religion, toi et moi, qui est différente. Et en fait, le truc d'être tous les jours en train de taper sur une religion pour mettre en valeur la sienne, évincer pour se mettre en valeur, tu vois, c'est comme au travail, tu vois, quand tu poucaves un peu ton collègue de travail pour mieux monter, tu vois, déjà, c'est pas loyal. Pas ça, c'est parce que les gens amalgament les deux religions. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Oui, je te laisse finir. Ça veut juste dire qu'en fait, t'es pas confiant dans ta religion et t'as peur, tu vois ou pas. Maintenant, j'ai fini, tu peux répondre. Vas-y, tu peux lui répondre. Mais donc, t'as compris ce que j'ai dit, on ne veut pas qu'on amalgame les deux, parce que ce n'est pas les en fait, c'est un travail que je fais aussi par rapport aux athées. Pas les mêmes morales. En fait, c'est par rapport aux athées insupportables qui disent, de toute façon, c'est partout pareil, vous avez des dogmes dangereux pour machin et truc. Et c'est pour, en fait, on n'a pas de dogmes dangereux parce que. Non, mais je parle aux athées, là, on dit ça. Non, mais c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, c'est pas une morale, je réponds aux athées qui disent que oui, dans toutes les religions, il y a des dogmes dangereux, machin. Genre comme je leur dis, montre-moi dans la mienne et tout, qu'est-ce qui va aller à l'encontre de tes libertés individuelles, qu'est-ce qui va aller à l'encontre de ton bien vivre, en fait, en société. Si jamais je suis catholique, tu vois, je ne vais pas t'imposer. Un catholique n'impose pas sa religion. Par exemple, si moi, ma femme, elle veut, on n'avorte pas, ça ne veut pas dire qu'on va empêcher les autres de le faire, même si nous, on est contre dans notre cœur. Mais je ne vais pas mettre des bombes dans des cliniques d'avortement, par exemple, tu vois. Ça, ça n'empêchera pas ma fille d'avorter si elle veut avorter. Alors, nous non plus, on ne met pas des bombes. Non, vraiment, je l'exhorterai de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme, pour ne pas qu'elle le fasse, mais au dernier lieu, je lui laisserai sa liberté tout le temps. D'accord. Non, mais toi, t'es le genre de catholique que j'aime bien. La religion chrétienne et la religion de la liberté, tu vois, rien que le fait de poser la question, c'est que tu ne connais pas cette religion. Calme-toi. Donc ça veut dire pour faire la promotion de ta religion, montrer à quel point ta religion est mieux, tu es obligé de taper non, sur. Non, c'est pour faire une distinction. Une distinction. Donc tu es obligé. Donc oui, tu es obligé de taper sur une autre religion. Non, c'est parce que les gens font les amalgames. Comme Dioclo, par exemple, il faisait l'amalgame avant. C'est ça. Dioclo, il y a plein de trucs où hein, il peut faire l'amalgame, il peut mettre un peu les trucs au même niveau, tu vois. Ça commence à aller un peu mieux, mais il y a encore des restes. Et effectivement, il y a d'autres. Toujours, t'inquiète. Hein. Voilà, c'est compliqué. Putain, il est chiant. Bon, tu vois, oui. Au-delà de tout ça, de ton travail, entre parenthèses, très grosse parenthèse, mais des plots, tu vois. On met des plots à la place des parenthèses. Tu vois, les plots orange, là. Ouais, mais ça te dérange, en fait, au-delà de ça, attends, oui, moi, ça me dérange. D'accord, je croyais que ça a aidé les croyants, au contraire. Je crois que ça a aidé les musulmans à, justement... Ouais, non, moi, ça me dérange, j'aime pas qu'on parle de ma religion en mal. C'est vrai que ça les aide vachement. Du coup... Il faut changer les textes, alors. Oui, non, mais on les changera pas, les textes. Au-delà de ça... Quoi? Je disais, au-delà de ça, c'est bizarre, on t'entend jamais parler de Dieu. Tu vois, parce que t'es là toujours. Si. Non, mais par exemple, attends, t'arrives jamais sur mes lives, en fait. Mais c'est attends, s'il te plaît, laisse-moi. Mais vous vous laissez jamais finir. Vas-y, force, te laisse pas faire. Ne serait-ce que des petits trucs comme nous, on a l'habitude de dire, par exemple, ça va, ouais, hamdoulilah. Ben, on t'entend pas dire des choses. Non, je ne peux pas dire hamdoulilah, non, ça, c'est clair. Ben, tu vois, genre, oui, grâce à Dieu. Enfin, on t'entend. On voit pas ton côté religieux, tu vois. Quand je parle de, en fait, quand j'ai mes amis chrétiens qui sont, quand j'ai mes amis chrétiens qui sont sur le live et qu'on ouvre les textes bibliques, c'est vrai qu'on fait pas de prière. Voilà, Dieu te bénisse, Jean. Dieu te bénisse. Vous dites amen. Dieu te bénisse, Samuel. Effectivement, mais de prêche non plus, tu vois. Mais par contre, on travaille sur les textes, on scrute nos textes, on se rapproche de la foi. Il y a des gens qui nous posent des questions. Parce que TikTok, tu vois, je le prends pas pour ça, tu vois, ce que. C'est pas question de TikTok, c'est que Dieu, tu sais très bien que c'est, il nous accompagne tous les jours.
C'est qu'on soit sur TikTok ou qu'on soit à la piscine, c'est pareil. Oui. Mais le truc, c'est que même c'est quand... C'est plus culturel non plus. Même quand vous... Même quand c'est vous, vrai. Le christianisme, pourri, excusez-moi, il est tout aussi prosélyte que l'islam. Hein, oui, c'est vrai, c'est prosélyte, effectivement. Voilà, c'est vrai. Donc, très bien. Mais tu vois, comme quand vous méditez sur vos textes, eh ben, tu peux pas t'empêcher de faire le parallèle avec l'islam parce qu'on dirait que tu te contentes pas, t'arrives pas à te contenter. Non, c'est pour informer les gens, c'est pour informer les gens qu'on fait ça. En fait, c'est j'aimerais que les musulmans la différence se entre les deux. Au christianisme, effectivement, ça me ferait. Eh ben, vas-y, le plus tu grand sais bien. Quoi? Tu sais quoi? Convainc-moi. Vas-y, convainc-moi de lâcher l'islam. Ça va marcher. J'annonce. Parce que vu que... Non, mais en non fait, tu prends ça comme un défi, mais ça peut pas marcher. Non, regarde, quand vous êtes croyant, c'est quand vous êtes convaincu d'une histoire, l'autre histoire étant incohérente, vous allez y voir les incohérences logiques, etc. Forcément, vous n'allez pas être convaincu. Vous allez plutôt choisir celle avec laquelle vous allez. Bon, alors je répète. C'est surtout qu'ils ont ébahi avec la critique des deux religions. Je réitère. Qu'est-ce que avec quel argument, d'accord, t'essaierais de me convaincre pour me convertir et lâcher l'islam? Mais avec toi, on pourrait pas avec les musulmans, parce que vous avez grandi. Mais il y a grandi. Des musulmans qui ont lâché. Attends, laisse-moi finir. Je veux pas faire un monologue. On peut pas, puisque vous êtes grandi avec la critique des autres religions, justement. On vous a toujours dit que la Torah. Attends deux secondes, je suis en train de finir. C'est dur, hein. Faire trois phrases, c'est impossible. Donc, je disais juste que vous avez grandi. On vous a dit que la Torah et les évangiles étaient falsifiés. Donc, comment vous pouvez pas croire à ces religions? Une fois que tu as grandi là dans ces critiques là. C'est comme si c'est paradoxal. C'est comme si je te disais c'est paradoxal de venir dire c'est paradoxal. C'est paradoxal de venir. Attends, c'est paradoxal de venir dire que nous on poucave sur les autres religions. Ce soir. Nous on poucave sur les autres religions alors que le prophète n'a fait que ça Mais John, je pense que John il est comme moi quand on parle de ces choses-là, c'est pas pour vous convertir, c'est plutôt pour informer les athées. Parce qu'il y a beaucoup de qui amalgament les religions. Attendez, est-ce que John Duff, tu peux me laisser dire quelque chose, s'il te plaît? Parce que là, en fait, là, ça court-circuite dans ma tête. On vient de dire, là, il y a quelques minutes, que le christianisme était tout aussi prosélyte que l'islam. Moi, de mon côté à moi, ça, pour moi, c'est un bien, je n'y vois aucun inconvénient, tu vois. Mais là, tu me dis que tu essaies de convaincre les athées que le christianisme c'est pour le vivre ensemble, c'est pas leur c'est religion pas pour... aux français, mais attends, laisse-moi français juste finir, tu vas pas comprendre. Laisse-moi juste finir. Donc normalement ta mission, parce qu'il n'y a plus de prophète, donc c'est notre mission à nous de le faire, ou ceux qui en sont capables, d'accord, c'est de ramener les gens vers notre religion, c'est pas de convaincre juste quelqu'un, les athées, que ta religion, c'est le moindre mal, on va dire. Ça veut dire qu'en fait, t'es en train de faire le contraire de ce que religion t'appelle à faire, te demande de faire. Non, c'est pas le contraire, c'est juste que... Eux, ils sont tellement loin, on leur a tellement, comment dire, décrit, comment dire, falsifié, entre guillemets, au niveau de... Comment on pourrait dire ça? Du dogme. Du dogme, en fait, ils sont tellement loin de la réalité du dogme catholique qu'il faut y aller step by step, tu vois. Il faut d'abord faire des comparatifs. Montrer que la morale est bonne. La morale est bonne. Il n'y a pas d'argument massu, quoi. Et voilà. En gros, c'est ça. Non, c'est que toi, tu demandes des arguments, par exemple, de type physique ou de type scientifique. Bah, moi, je veux une preuve que c'est Dieu et que Dieu a écrit ce texte-là. Donc, enfin, c'est logique. Je vais pas adhérer à un texte s'il est écrit par des hommes. À partir de là, voilà, si tu veux des preuves dans ce sens-là, tu vois, là, je te parlais des miracles, etc., authentifiés ou de choses comme ça. On pourra te parler de tout ce genre de choses. Ça sera un peu compliqué pour toi. Mais effectivement, mais ramener les gens à ta religion. Moi, je vais aller à Lourdes, là. Dioclo, je vais aller à Lourdes, là. En plus, là, pendant les... Enfin, dans le sud, et après, je vais aller à Lourdes. Si tu veux, accompagne-moi, tu vois. Et vraiment, tu vois, on va vraiment essayer de te montrer un miracle en face de tes yeux, tu vois. J'espère, je vais prier Dieu même pour que tu en vois un de tes propres yeux. Mais tu rigoles, tu connais Gérard Forêt. Il a tout ce qu'il faut. Et peut-être que tu vas voir la Vierge. Je suis allé à Lourdes et je n'ai jamais vu de miracle. Quel genre de miracle? Bonjour à tous. Quel genre de miracle, John?
un miracle d'un paralytique qui remarche, par exemple, ou d'un bras complètement. Moi, j'ai la grippe, j'ai perdu. Il le trempe dans l'eau de Lourdes et puis qui peut être amovible directement, ou des miracles assez... je te mets à l'écran les preuves, si tu veux. Ou un mini-jambiste qui a les jambes qui repoussent. Tu vois, Jean Duff, il a retrouvé sa tête là-bas. Mais attends, c'est pas le même truc qu'en Afrique, là, où il y a un prêtre qui donnait son S et ça redonnait la vue. Mais en fait, il voulait juste la donner sur des meufs. Il y a des miracles, ça a été scientifique prouvé. Il y a plein de bonnes sœurs là-bas, t'inquiète pas, qu'ils doivent s'en sortir. Ce que t'es en train de raconter sur Lourdes là, tu vois, ils te prennent pour un fou, alors que là, tu peux pas faire le parallèle avec l'islam, parce que nous aussi, on pense que ça existe les miracles. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on pourrait être tous les deux contre eux. C'est ça que j'essaie de faire comprendre, tu comprends ou pas? C'est un peu ce que vous avez dit à Olivier ce matin, John. Tu préfères vivre sous la charia en France ou vivre sous la loi républicaine? Là, t'es en train de sauter de partout. Après, elle a raison, écoute ce qu'elle dit, parce que dans l'idée, aujourd'hui, il n'y a pas de système chariatique en France. La charia, mon gars, c'est... Vous avez des athées au cul qui vous courent après en vous disant vos gueules, vos croyances sont fausses. Derrière ça, Baé a la raison sur un point, c'est que, comme disait ce matin le père Olivier, vous êtes plus alliés par le fait de ne pas vouloir blasphème, de vouloir une vie religieuse un petit peu à l'ancienne, etc., que nous, athées, progressistes, où on se dit, vos systèmes sont archaïques. Donc effectivement, là où elle a raison, c'est que vous êtes plus alliés. Mais Joe Clou, il va se convertir bientôt aussi. Mais pas du tout, vous avez été un ouf ou quoi. Mais en tous les cas, c'est vrai que vous êtes plus alliés, elle a raison sur le coup. Joe Clou, tu dis que tu es allié, mais quand tu vois des églises... Mais non, mais quand on voit des églises converties en mosquée, des cimetières chrétiens profanés avec soumettez-vous à Allah, etc., des crimes christianophobes sur le territoire français. Non, je peux pas dire que... Unissez-vous pour Dieu et contre les athées. Non, je rigole, bien sûr, mais c'est ça le front de la foi qui avait fait... À la limite, c'est-à-dire des alliés face à cette société. Ce que je veux dire, c'est que... franc-maçonne... Les communistes, ils ont essayé en Iran de s'allier avec les extrémistes musulmans, et puis après, ils se sont fait tuer, tu vois. Après, c'est un autre problème. T'inquiète pas, John Duff, je te tuerai le dernier. Merci, c'est gentil. Je te laisserai même dire au revoir à ta famille. Non, va te castrer d'abord. Elle est tellement humaniste. Moi, je suis humaniste, j'aime l'humain. Moi, c'est l'humain avant tout. Merci beaucoup. Pas très sûr de ce que tu dis, mais ok. Ok. C'est pas grave. Alors j'étais sur la politique, les gars, sur l'Union européenne. J'ai une vraie question pour revenir et pour terminer sur le sujet. Genre vraiment pour toi, c'est impossible d'être allié à des croyants qui, du coup, croient à peu près la même chose, quoi, finalement. C'est impossible ça pour toi. C'est inenvisageable, c'est genre même pas dire oui ou non, t'as même pas envie d'évoquer le sujet dans la même team. Tu sais, c'est quoi le problème? C'est qu'il n'arrive pas à faire briller sa religion toute seule. Il lui faut quelque chose de ce qu'il estime pire, tu vois. Sinon, lutte. Tu vois, c'est comme les copines, il faut une moche et une belle. Exactement, c'est la même technique. Vous êtes la copine grosse avec les boutons? Du coup, là, nous, c'est. Ta religion ne se suffit pas à elle-même. Il faut toujours que tu fasses un parallèle pour regarder. Mais parce qu'en fait, moi j'aimerais que. C'est ce que fait Momo. Ton travail,
ton travail, il consiste à ramener les gens vers ta religion. Non mais Baé, tu crois vraiment qu'il va faire ce que tu dis? Ça va, le christianisme, franchement, ça va. Ça va. C'est pas du tout. Tu crois vraiment qu'il va t'écouter? Jésus, il a dit tuer vos enfants, mais ça va. Putain, ça va, mais c'est ce jeu de merde. C'est pas pire. Ouais, ouais, t'es mauvais, Tchétchène, on a remarqué. Baé, tu vois, parce que quelque part, finalement, moi je considère que voilà, vous êtes tous dans des religions, moi je considère que c'est, voilà, tout est faux. Mais dans l'idée, vous devriez plutôt trouver des points communs. Oui, en tout cas, sur vos droits vrai, que vous aimeriez revendiquer. J'ai pas envie d'être le petit blasphème. J'ai pas envie de rentrer dans la polémique maintenant, mais enfin, non, tu vois. C'est-à-dire que. Parce que toi, t'es conscient peut-être qu'il y a un danger. Je connais un peu des textes. Tu cherches la polémique, moi, je sais pas. Non, attends, attends, tes lives, c'est de la polémique, de toute façon. Mais dis-toi une chose, c'est que quand tu pries Dieu et que moi je prie Dieu, on prie le même. Je comprends. Non, je crois pas non plus, mais bon. Ah bah à part si vous êtes polythéiste, c'est dans ces cas-là. En fait, c'est plus ça. Vous sortez du christianisme. Vous êtes apostasie. Mais pourquoi tu dis des trucs que tu penses pas depuis tout à l'heure? Tu dis des trucs que tu penses pas. T'es dans la manipulation. C'est quand même triste de voir autant de manipulation dans une. Attends, si tu demandes à un juif, il y a combien de dieux? Il va te dire, il y en a qu'un. Non, mais tu veux faire alliance déjà avec des gens que tu veux pas faire alliance avec vous. Je te dis, je vous tuerai les gens. Non, mais c'est ce que t'as dit. Si tu veux pas, on s'en fout à la limite. Mais c'est ce que t'as dit quand même. Mais j'ai pas envie de faire alliance avec toi. Je préfère faire alliance avec Zioclo. Tu te rends compte? Non, t'as parlé à John. T'as pas parlé avec moi. Attends, quoi? Bah, sérieux? Laissez-moi parler. Vas-y, je suis étonné, tiens. Tu vois, tu demandes à un juif, les musulmans croient-ils en un dieu? Ils vont te dire oui, et c'est le même, parce qu'il n'y en a qu'un. C'est à partir du moment où tu me dis on n'a pas le même, c'est que tu es polythéiste. Et dans ces cas-là, tu sors de ta religion, tu viens d'apostasier. Si vous donnez une autre définition, et votre définition qui vous est propre, ça c'est votre problème. Mais dans la réalité des choses, mais non, mais je suis pas polythéiste, dis pas des bêtises, s'il te plaît, c'est pas ça. Et l'islam. Non, mais c'est ce qu'elle pense, John. On peut pas parler avec vous parce que vous dites des trucs complètement à côté de la plaque. On n'est pas des religions monothéistes. Par contre, on n'a pas le même dieu, mais on est des religions monothéistes. C'est pas ça, normalement. C'est censé être le même dieu. C'est le même dieu, c'est juste qu'on ne l'a pas de la même manière. C'est Star Wars, quoi, tu vois. Si moi, mon dieu, c'est un dieu de la bière, par exemple. Et c'est un dieu unique. Du coup, c'est le même dieu que les autres aussi. Mon dieu de la bière. Si il est brasseur et brasseur, c'est le brasseur, le dieu. Est-ce que du coup vous allez tous reconnaître mon dieu comme votre dieu aussi? Moi, mon dieu, voilà, c'est tout à moi. Merci, merci. Voilà, merci pour ton. Merci pour ce que je voulais dire. Effectivement. En fait, nous, ce qui est, faut parler aux juifs. Vous faites des débats avec les juifs, un peu les musulmans, parce que c'est que avec les chrétiens, ouais. Vous. Bah, justement, avec quand tu fais chez Antidote et tout, est-ce qu'il dit, Milari et compagnie, que vous avez le même dieu? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il dit que Allah est égal? Mais bien sûr, c'est juste que nous, on l'appelle Allah. Est-ce qu'il dit ça? Il l'appelle Yeshua ou Jésus. Pourquoi ils se convertissent pas? Pas Yeshua, tu réponds pas à la question. Est-ce que les juifs disent que vous avez le même dieu? T'es pas honnête quand tu dis ça. Tu sais très bien que c'est pas. Ils disent très bien que vous avez pas le même dieu. Que Allah, ça veut dire le dieu. Ça ne désigne personne. C'est un mot générique qui désigne une fonction. Vraiment pas. Eh ben non, tu te trompes sur la définition. Ça veut dire le dieu. Yahvé, c'est le nom personnel de Dieu. C'est Ilah qui veut dire Dieu, c'est pas Allah. Ah, ça veut dire quoi, Allah, du coup, le Allah? Pourquoi tu dis Allah? C'est facile, c'est Allah. Je sais pas parler arabe. Bref, qu'est-ce que ça veut dire, Allah, du coup? Bon, Allah, excuse-moi, mais il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas de ha, il n'y a pas de ra, il n'y a pas de... Ouais, c'est bon, j'arrive un peu entre Mohamed et Mahomet. C'est bon, je dis Mahomet. Dis Rasoulallah, Dioclo. Rasoulallah. Voilà. Et bah Jésus, salatou salam, salatou Ashadoulila, je crois que c'est ça le début, mais je sais pas faire la suite. Ah, tu veux shahader en direct là? Mais non, parce que si shahade après, c'est pas avec le cœur. J'ai pas envie de faire du mal aux musulmans non plus. J'ai pas envie de les faire chier avec ça. Tu crois ni à toi-même, c'est quoi, j'avais un concept, c'était je deviens musulman pendant un mois. Si tu dis la shahada, c'est comme si tu disais je vais aller à la piscine, c'est la même chose, ça a pas de sens. Mais t'arrêtes, t'abuses. Non, mais si jamais je me convertis un mois pour voir ce que c'est.
Bah, tiré, je me convertis pour voir ce que c'est. Est-ce que c'est mal ou pas? Genre pour voir. Non, mais tu sais, je vais te dire une chose. Un mois dans la vie d'un musulman. Si tu te convertis. Tu prends des risques. Hein, c'est bien beau. Ça, donc c'est bien beau. Tu vas dire la shahada, mais après, est-ce que tu vas jeûner le mois de Ramadan? Est-ce que tu vas faire la mosquée? Mais quand je fais un mois, je fais la salade. Et ça, durant toute ta vie. Dans ce cas, je fais tout. Non, il va se faire une mosquée. Je teste un mois déjà. Ouais, aussi. Ah ouais, Ezio, fais un vlog comme ça, un mois dans la peau d'un musulman. Pour se convertir au judaïsme, c'est plusieurs années. Le christianisme, je crois qu'il y a... Ezio, tu fais un vlog, tu dis un mois dans la peau d'un musulman, tu mets le camis sur j'ai là-bas, tu vas à la mosquée, tu fais des ablutions. Tu fais la prière, je fais un mois dans la vie d'un musulman, et voilà, c'est genre... Ça serait hyper sympa. Je sais pas s'il serait d'accord. Je pense que l'islam, c'est pas Netflix, c'est pas sans engagement. Tu peux le faire. Moi je veux essayer, tu vois, je vais aller visiter une mosquée à Sevran, normalement ça va se faire. Je veux vraiment, tu sais, aller voir de manière aussi honnête. Moi, je mais par déjà, contre, t'as le droit de te rendre sur toute ma vie. Là, mon bobo, il t'a envoyé un courant, tu l'as lu, Zoclo? Je l'ai à la maison, je l'ai lu. Tu l'as pas lu encore, mais j'ai commencé à le lire. Moi, je pense que tu t'en sers pour aller chercher. C'est qui respire comme ça? Ouais, il respire comme un ouf. On dirait qu'il est mort. Vas-y, bah, utilisez. Je m'en sers. Tu dois t'en servir, toi, pour aller chercher des trucs à charge, tu vois, pendant les débats. Bah, non, je regarde des fois des trucs à part. Justement, j'essaie de voir un peu au hasard aussi. Tu sais, des fois, je l'ouvre comme ça, je regarde des trucs par rapport à ce qui se dit. Et c'est intéressant aussi de voir comment c'est. Et puis après, comme diraient certains, c'est Dieu qui l'a voulu. Tu vois, il l'a offert. Il est arrivé dans mes mains. Maintenant, voilà. On ne voit plus, Islamobobo. Bah, je pense qu'il voyage beaucoup ici. Il bouge tout le temps. Donc, je pense qu'il est surtout en train de se faire de la thune et travailler, à mon avis. Parce qu'il bouge beaucoup. Lui, il était en Indonésie ou je sais pas où, là. Et puis, il voulait aller ailleurs. Il savait pas trop où squatter. Il voulait aller chez Alexis Lam. Alexis Lam, il était là. Ouais, non, mais j'ai une famille et tout. Ouais, tu peux pas venir comme ça. J'ai pas payé l'entrée pour que tu me parles. Hein. Quand tu dis que les chrétiens ils font la promo de leur religion en tapant sur l'islam, quand même vous donnez du crédit à votre Dieu en disant que c'est le même que celui des chrétiens premièrement, et puis vous êtes pas les derniers aussi quand on parle du Coran à dire oui mais regardez dans la Bible. Donc c'est un peu fort de café. Parce qu'il faut nettoyer devant sa porte avant. Oui mais sauf qu'ils disent ça à des athées, tu vois. Ah d'accord, ouais, d'accord. Que tu sois un chrétien, il n'y a pas de souci. Mais que tu dises un athée, va voir dans la Bible quand tu critiques le Coran. Attends, on a le droit de parler du Coran parce que le Coran en fait agresse directement l'intégrité des chrétiens. On dit pas combattre les musulmans dans la Bible. Oh, donc on a droit d'en parler en fait. Mais le Coran il dit pas combattre, il dit pas tuer les chrétiens, le Coran. Tu as une religion, parle de ta religion, sois fier de ta religion. Non mais dans le Coran, les chrétiens sont les gens du livre. La menace. Je suis menaçophobe. Si le Coran n'était pas menaçant vis-à-vis du christianisme, j'en parlerais pas. Mais le Coran, il s'en tape de toi. T'es pas une menace. Il s'en tape de toi. Mais bien sûr que si. Les Juifs et les Alliés, 5:51. John Duff. John Duff, j'ai une question. J'ai vu ça il y a pas longtemps. J'ai une question. Comme je vous ai dit l'autre fois, pourquoi alors le Coran autorise un homme musulman à épouser une chrétienne? Si un chrétien se convertit à l'islam et sa mère reste chrétienne, est-ce qu'il doit tuer sa mère? Vas-y, réponds. Je peux te répondre. Pourquoi pas l'inverse, Ahmed? Pourquoi pas les hommes non musulmans se marient avec une femme? Déjà, regarde ce qui est autorisé au lieu d'aller toujours dans ce qui est interdit. Qui va te donner effectivement la possibilité de t'accorder avec certains, en fait, il y a des arrangements et tout, il y a des lois là-dessus. Et par contre, à la fin d'Al-Taouba, du coup, qui est la repentance, il y a le chapitre qui explique que, par contre, à la fin des temps, même si ils ont été justes et bons, il faudra les sacrifier. Donc en fait, effectivement, le temps qu'il n'y a pas la fin des temps, il y a moyen de s'arranger avec les gens. Par contre, à la fin des temps, effectivement, la seule chose. C'est la guerre finale. Non, je suis pas d'accord. Ramène le texte. Et ramène le texte exactement. Parce que tu sais, Zioclo, dans un pays,
dans un pays musulman, les chrétiens sont des dhimmis. Est-ce que vous connaissez ce statut? Oui, on connaît le statut de dhimmis, du pacte d'Omar et tout, on connaît, c'est très humiliant pour le chrétien, etc. Nous, il n'y a pas ce genre de truc avec les musulmans. Tu comprends, c'est toujours dans un sens unique, en fait. Franchement, dans le Taouba, il y a moins de s'arranger, même sans la dhimmitude. Par contre, même si tu t'es arrangé sans la dhimmitude et que tu as donné des passe-droits à certains, à la fin, effectivement, il n'y aura pas de passe-droit, même si tu les as trouvés juste, même s'ils ont été bons, etc. Ça, c'est... Mais comme le dit Tchétchène, c'est la guerre finale, le grand combat, enfin voilà, quoi. C'est normal, en fait, c'est l'eschatologie finale, c'est lui. Mais par comme, contre, je pense... chez les catholiques, vous avez quand même des trucs aussi, oui. Voilà, c'est pas ouf, la fin des temps, quoi. C'est la pestilence, machin, c'est la guerre, c'est l'horreur. Mais c'est pas... Bonjour, Zoclo, c'est pas la différence. Attends, tais-toi, Lima, attends. Putain, je peux pas parler à Zoclo, attends, je vais dire la différence parce que ça va me fatiguer, là. Attends, Zoclo, tu sais c'est quoi la différence? Je vais te dire la différence. Ah, mais je te dis pas qu'il y a la même guerre. Attends, c'est que c'est Dieu, en fait, lui-même, qui frappe en fait les trompeurs de sa justice, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne demande pas aux chrétiens, allez, maintenant vous allez prendre les armes et vous allez appliquer ma justice en allant tuer tous les non-chrétiens qui soient athées musulmans tous du sang et vous allez leur couper leur main droite et leur main gauche, bien les faire souffrir, les mettre en esclavage. Et ça, depuis le début, l'islam, c'est comme ça. Et depuis le début, le christianisme, c'est l'inverse par rapport à ce que je suis en train de te dire. Même jusqu'à la fin des temps. Jamais, on n'est pas les syndicats de Dieu, nous. On n'est pas les syndicats de Dieu. Tu comprends? Je suis pas persuadé qu'il y a aucun. On n'est pas les syndicats de Dieu, il n'a pas besoin de nous pour appliquer sa justice. J'irai pas mettre ma main coupée là, tu vois. Et tu vois, c'est ça qui m'énerve, vous connaissez pas. Et voilà, il y a des gens comme toi, voilà, qui tu vois pourquoi c'est mon travail est utilitaire, parce que tu peux dire effectivement qu'il y a des gens qui sont rigides. À chaque fois, il y a des gens qui sont rigides, qui sont un peu intégristes et tout. Oui, d'accord, oui. Mais dans c'est vrai, il y a des dérives partout. On reste des êtres humains, hein. Mais même le pape lui-même est pêcheur. Il n'y a pas de. Mais toi, t'es un modéré, je pense. Hein. Toi, t'es pas un. Oui, bien sûr. Mais bon, attends. Alors, Hannibal. Ça m'aurait beaucoup de. Oui. Bonjour. Évidemment, j'espère. Comment va ? Ça va ? Tu t'es fait monter, tu vois. Je suis pas rancunier, tu vois, Hannibal, par rapport à ton live ce matin. Ouais, bah, moi, si j'étais rancunier, je te parlerais plus ad vitam aeternam avec tous les blasphèmes que t'as fait. Mais moi, je t'insulte jamais, je te manque pas de respect directement. T'insultes le dieu auquel je crois, t'insultes mon prophète. Regarde ce qu'il a fait sur Vivator, là, comment il m'a parlé. C'était pas très sympa. Moi, tu sais ce que je voulais? Je voulais que tu sois confronté à un vrai homme de foi, à un vrai chrétien, qui te dit, yeux dans les yeux, que ce que tu fais, c'est mal. Que le blasphème que tu fais, l'offense que tu fais aux autres croyants, c'est pas bien. Et c'est pas représentatif des chrétiens et de la chrétienté. Eh ben, écoute, j'en suis désolé et ce n'était pas mon but. Quand je dénonce des faits politiques, enfin des faits, je veux dire des faits divers, mais liés à une forme de politique. Sur ça, il n'y a aucun souci. En fait. J'ai pas de souci avec ça. Voilà, mais le fait de blasphémer Dieu, là, non. D'autres choses. Ok. Bah, vas-y, pose-moi tes questions. Oh, j'aime pas, j'ai l'impression d'être dans une cage. Moi, pour moi, t'es un polythéiste, ainsi que tous ceux qui pensent comme toi. Bah, frérot. Hein, non, c'est pas ça. Bah, tu traites les chrétiens de polythéistes. Il y a un seul Dieu unique, digne d'être adoré, sans ne rien lui associer. C'est le message du premier prophète au dernier prophète. D'accord ? Je ne sais pas qui c'est pour toi le dernier prophète, mais ça a été le message de tous les prophètes. Vrai ou faux ? Jésus lui-même l'a dit, tu sais. Voilà ! Donc, ça veut dire... On suit Jésus, donc effectivement, il n'y a pas de problème. Jésus lui-même t'a dit d'adorer un seul Dieu unique, donc Jésus n'est pas Dieu. Merci. Alayhi salatu wassalam. De deux, si la Trinité, les Juifs croient en un seul Dieu unique sans ne rien lui associer, Vous croyez en un seul Dieu unique sans ne rien lui associer. Nous, on croit en un seul Dieu unique sans ne rien lui associer. C'est le même, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. On a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu dans toute l'humanité. C'est vrai qu'on s'est moins parlé, t'as enlevé le showtime. Non, attends. Il y a un seul Dieu dans toute l'humanité. Il n'y en a pas deux. Il y a pas, en haut, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux, il n'y en a pas quatre. Il n'y a pas le dieu des juifs, il n'y a pas le dieu des musulmans, il n'y a pas le dieu des chrétiens. Il y en a un seul. À partir du moment où tu dis qu'il y en a deux ou trois, c'est que tu es un polythéiste. Dans ces cas-là, tu viens d'apostasier. Félicitations. John, tu peux mettre Showtime une minute? Franchement, tu devrais remettre le point de l'apostasie, parce que t'es pas mauvaise en vrai. Tu croirais pas en Dieu, tu serais très très doué pour débunker les gens. Il va blasphémer, voilà. Ouais, vie, mais non, Zoclo, parce que le problème, c'est que c'est la nature qui change. Enfin, c'est la même nature, mais c'est pas le même. Alors, Dieu, même si. Muslim, 2000,
Vas-y, attendez, laisse-moi prendre l'esprit. Muslim 2567. Ne saluez pas les juifs et les chrétiens avant qu'ils ne vous saluent. Et lorsque vous rencontrez l'un d'eux sur les routes, forcez-le à se rendre sur la partie la plus étroite. Muslim 2767. Il y aurait des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne et Allah leur pardonnerait et il placerait à leur place les juifs et les chrétiens. Muslim 1767, rapporté par Umar ibn Khattab, le prophète a dit « J'expulserai les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique et n'en laisserai que des musulmans ». Comment le même Dieu que les chrétiens pourrait dire ça, des chrétiens et des juifs? Et donnez-moi une explication, merci. Je vais rien te donner du tout, je m'en bats la race de toi, mais d'une force, mais alors d'une force. C'est le même Dieu, donc le Dieu des chrétiens, il dit ça mais des chrétiens, c'est ça. D'une force, qu'est-ce que je m'en tape? Mais tu comprends même pas ce que tu lis. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de cette autoflagellation, Zio-Claude, de Dieu vis-à-vis des chrétiens via le bras armé d'une autre. C'est le problème des trilogies, c'est qu'une trilogie a ses interprètes, hein, bien entendu, chacun ses acteurs, Mahomet, Jésus, etc. Forcément, il va y avoir des petites discordances, on va dire. Et certains diront que c'est les traductions, d'autres diront que c'est les mêmes dieux. Moi, je pense que, effectivement, ça suit la même trilogie, donc on va dire que c'est les mêmes dieux. Après, il y a des subtilités de tout à chacun, c'est pour ça que vous choisissez chacun, d'ailleurs, des religions différentes, hein. C'est pas pour rien, il y a quand même des différences, mais on va s'imaginer que le concept. Il est venu parachever, c'est le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Regarde-le moi, ça veut dire que voilà tout ce qui a été falsifié avant par l'homme, là où il y a une intervention humaine, d'accord, l'islam est venu rectifier tout ça. C'est pour ça que mes frères et sœurs, je vous invite à l'islam. La seule, la vraie. Regardez-le moi, c'est voilà l'adim qui essaye de mettre la zizanie et la discorde. Il ne me mute pas, c'est pas la même, Hannibal. Je suis pas modérateur, comment tu veux que je te mute? Non, chez toi, ce matin, chez toi. Ce matin, chez toi. Tu m'as coupé le sifflet ou pas? Tu m'as muté pour oui, quand tu blasphèmes. J'ai pas blasphémé, j'ai pas blasphémé. Ah, j'ai dit à Arashkian que tu essayais de semer la zizanie. J'ai blasphémé? Bah oui, quand tu dis que j'essaie de semer la zizanie, tu mens. Alors que c'est toi, c'est toi qui mets la zizanie entre croyants. Est-ce que c'est un blasphème de dire ça? Non, c'est pas un blasphème. Tu sais que c'est vrai.